Finally, hi everyone. We will start with questions in English and then we will carry on with national language. Nous Taking questions in English first. Greg, go ahead. Question. Novak, that was just the most incredible tennis match that we got to watch. And when you consider all the different factors, you become the only person to beat Rafa twice over here, reaching your final, all that sort of stuff. Are you able to rate this match? Where would you play something like this? Comment pourrais-tu évaluer ce match? Definitely pour toi? The best match that I was part of. C'est le meilleur match auquel j'ai participé. Ever in Roland Garros for me. À Roland Garros de toute ma carrière. Three matches that I ever. C'est les trois meilleurs matchs auxquels j'ai pu participer de toute ma carrière. Quality of tennis. En termes de qualité de tennis. Playing my biggest rival. Le fait d'avoir affronté mon plus grand rival sur un court où il a eu autant de succès parce que en 15 ans c'était incroyable. Et puis en plus, il ne faut pas oublier l'atmosphère qui était électrique, avec beaucoup de soutien pour les deux joueurs. C'était incroyable. J'étais ravi de voir qu'il n'y a pas eu de couvre-feu. C'était une dispense spéciale. Le public a pu rester. Just one of these nights and matches that you'll remember. C'est l'une de ces nuits, l'un de ces matchs dont on se rappelle pour toujours. Chris. Question. Congrats, Novak. That Félicitations, Novak. C'était remarquable. Can you tell me about your mindset at five love down in the first? I mean, obviously, it's mission impossible against Rafa in general, but to be down a set général, is even impossible, harder. How did you find what it took to get back in that match? Was there anything qu'est-ce qui a fait que finalement tu as pu remonter autant que techniquement tu as pu renverser la donne? Even though I didn't have such a great start, même si l'entame du match n'a pas été bonne, je n'étais pas trop nerveux. The ball very well. Parce que j'avais le sentiment que je frappais bien la balle. J'ai pu trouver mon chemin dans le match which is et j'ai pu frapper any la other balle. Ball. I mean, the amount of spin that he plays with from le the lift forehand qu'il met corner, sur la balle I mean, dans le coin avec son coup droit, and, c'est juste incroyable. But I was ready, you know. Mais I was moi, j'étais feeling prêt. Good mentally, physically. Je me sentais bien sur le plan mental, physique. J'étais motivé. Had a really clear plan and tactics. J'avais un plan de jeu clair, une bonne tactique. Et je voulais dérouler cela. And the beginning of the match was kind of resembling last au year's début final. Du match, ça nous ressemblait bien tout cela. I just managed to get myself back into the first set, even though I lost it. I felt like dans le jeu au premier down, set, même si you know, c'était 3-6 contre game, moi, j'ai trouvé en fait mes repères, j'ai pu breaker au deuxième. And you know, things started to work out really et puis, nicely. Tout s'est bien déroulé. I found my serve, I thought. J'ai trouvé mon service aussi. When I was a break down in the fourth. Quand il me manquait un break au quatrième set. Generally, you know, the serve wasn't a big weapon for me tonight. Le service n'était pas vraiment une grande arme pour moi. I hoped that I could get a little bit more of a free points or j'espérais avoir at least quelques points an gratuits shot the ou first du serve. Moins I wasn't getting it until the fourth set. Je n'y arrivais pas avant le quatrième set. Love to down. I just, et puis something quand j'étais clicked, and I started mené to serve really well. 2-0, et bien il y a eu un déclic qui s'est opéré. Et c'est aussi grâce à la qualité du service qui m'a donné quand même quelques points gratuits. Elle, question. C'est incroyable que ce n'était pas la finale, mais tu dois revenir dans deux jours. Comment tu te sens physiquement maintenant? Et comment tu vas récupérer? Réponse, je ne suis pas tout à fait frais comme un gardon maintenant, mais j'ai un jour et demi pour récupérer, pour me remettre d'aplomb. Et puis, je penserai à mon prochain adversaire. Je vais un petit peu savourer quand même ma victoire. J'ai pas beaucoup de temps, mais... Je pense que je mérite après une telle victoire. Je veux me détendre, ne pas penser à mon prochain adversaire, même si ce n'est pas les finales d'un Grand Slam. Mais je vais avoir du temps pour y penser demain, peut-être dans la deuxième partie du journée. Pour le moment, je vais me reposer. Et j'espère que je serai en mesure d'être en bonne condition pour pouvoir affronter un adversaire qui est vraiment en bonne condition physique. Novak, you're the overwhelming favorite on Sunday. How do you guard against complacency against Stefanos? And how do you guard, given all the emotion and the intensity you've experienced tonight,
How you guard against it being an anticlimax potentially? Alors, it's not the first time that pas arrivé la fleur au fusil, j'imagine vendredi et comment tu dimanche et comment tu vas aussi te permettre de pouvoir te battre contre lui. Eh bien, après les matchs de 3 heures, my recovery abilities are pretty good. Mes capacités en récupération sont plutôt bonnes. Mon kiné va faire tout ce qu'il peut aussi pour que je sois très dispo, pour pas que je m'entraîne trop. Il s'agit avant tout maintenant de prendre les choses calmement, doucement, jusqu'à la finale. Je sais ce que je dois faire. Évidemment, Tsitsipas, first time in the finals of a Grand Slam, c'est la première fois qu'il est en finale d'un Grand Chelem pour lui. C'est un grand exploit, mais il ne va pas s'arrêter là. Il est en grande forme physique. He leads rankings, race rankings this year. He's had the best results overall. Il est en top du classement en ce moment dans la race. I think he matured as a player. Et il a gagné en maturité aussi en tant que joueur sur la terre battue. C'est la terre battue, c'est sa surface privilégiée. On a joué un match en demi-finale en 5-7 de grande qualité. I know it's going to be it's going to be another tough one. Donc je pense que ce match sera difficile. Recharge et j'espère que je vais pouvoir recharger mes batteries autant que possible parce que j'ai besoin vraiment de puissance de feu pour dimanche. Catherine. Question. Hi, no, but just to go back to tonight for one moment, you mentioned the resemblance of the first set to last year's final. Le premier set ressemblait beaucoup à la finale de l'année dernière. Qu'est-ce que tu pensais en fait quand tu étais à 5-0, quand tu étais mené 5-0? Réponse. I was not too nervous. Je n'étais pas trop nerveux, même si j'étais mené 5-0, parce que le sentiment que j'avais était différent de l'année dernière. Parce que je frappais mieux la balle et je me sentais mieux en général. Yeah, was a couple of really close games that I lost the beginning. Il y a eu quelques jeux serrés que j'ai perdu au début. In a snap, but et puis c'était 5-0, vraiment un claquement de doigts. Mais puis j'ai trouvé mon repère, mes repères, j'ai trouvé mon rythme. Et puis après, à 3-6, j'étais vraiment dans le match. Ah, the last one in English, Ankel. Ankel, la dernière question en anglais. Novak, first of all, congratulations d'abord, for félicitations your great, win today. Pour you cette really grande victoire. To win. Tu as mérité de gagner. Exactly today that you have won him. What do you think about what Rafa Nadal has made here in Roland Garros? Que penses-tu des exploits accomplis par Rafa Nadal au cours de toutes ces années au sein de Roland Garros? Réponse. It's hard to find words. C'est difficile de trouver les mots. All the superlatives that you can think of. Il faut trouver tous les superlatifs qui nous viennent à l'idée quand on songe à Rafael Nadal. C'est un grand, grand joueur. Roland Garros history. Qui a beaucoup marqué l'histoire de Roland Garros, qui a perdu peut-être 2-3 fois de toute sa carrière ici, alors qu'il a joué pendant plus de 20 ans. Et ça, déjà, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est incroyable ce qu'il a fait sur ce court. À chaque fois qu'on foule le court avec lui, vous savez qu'il faut faire l'ascension du Mont Everest pour pouvoir parvenir à le battre. Et quand on vient sur le court châtrier, à chaque fois, j'essaie toujours de tirer une leçon des astuces pour les matchs suivants, comme en 2015, par exemple. Ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre à profit pour le match d'aujourd'hui. C'est l'un de ces matchs dont je vais me rappeler pendant très longtemps. Pas seulement parce que c'était une victoire, mais à cause de l'atmosphère, parce que l'occasion était vraiment spéciale. Thank you very much, guys. We'll carry on with national language. We'll start with Sasha. Go ahead. Nous allons continuer avec Sasha.